Salut les copains, petit tour de vélo, on s'arrête à côté d'une aloe vera shop. Donc aujourd'hui, on est avec une spécialiste qui va vous présenter tous les produits de l'aloe vera. Voilà. Et c'est pas C'est les pas moi la spécialistes. spécialiste. Hola, bonsoir. Et voilà. Donc Gonaria qui tient le aloe vera shop, notre amie. Qui nous sponsorise en produits aloe vera et Et aujourd'hui ben, elle va ça, nous expliquer. c'est l'aloe vera Barbadensis 1000. Il y a plus de 300 variétés d'aloe vera dans tout le monde. Ça, c'est la meilleure variété. Pourquoi? Vous pouvez manger la pulpe. L'aloe vera, c'est bon pour les systèmes immunitaires, renforce les systèmes immunitaires, problèmes d'estomac, digestion, la constipation, les ulcères. Et il y a une substance jaune entre la pulpe et la peau de la plante. La substance jaune, c'est l'aloïne. C'est ça, c'est toxique, pas bon pour nous. Une fois que vous avez coupé la feuille, il faut la mettre tête en bas une nuit pour qu'elle tombe la substance jaune. Et vous pouvez utiliser la pâte transparente. Attention C'est les doigts. la pulpe et les gels. Wow, magnifique. L'aloe vera, c'est un gel transparent, c'est un régénérateur cellulaire, cicatrise la peau très vite, c'est bon pour les coupures, les brûlures, les piqûres, les coupes soleil, les problèmes de peau, psoriasis, eczéma, acné, allergie, pour réduire, c'est très bon pour ça. Et vous pouvez utiliser les gels de la plante comme une crème pour tous les jours, pour les visages et les corps. Les nôtres produits sont produits naturels, sans conservateur chimique. Et une fois ouvert, il faut mettre tout au frigo 6 mois pour que l'aloe vera s'oxyde très vite. La plante s'oxyde. Voilà, quand elle s'oxyde, Sophie, là, on ça voit la fait comme bille, ça, là, on voit celle-là. bien. Voilà, là, très bien. Bouge C'est pas. rouge. Donc là, c'est oxydé. Donc on enlève cette petite partie pour pouvoir consommer le reste. La boisson contient Voilà. seulement l'extrait d'aloe vera, 99,5, plus la vitamine C et la vitamine E. Pour regarder les produits, juste 8 semaines au frigo, il faut ouvrir. C'est bon pour renforcer le système immunitaire, c'est bon pour les problèmes d'estomac, digestion. C'est l'aloe vera pure. C'est comme un médicament naturel pour tous les jours, 2 cuillères à soupe par jour avant manger, une cuillère pour le matin et une cuillère pour le soir. Ça fait comme si on Une mangeait petite ça. petite question, qu'est-ce que tu conseillerais pour les sportifs en produits aloe vera? Les Comment gels cure d'aloe vera, ça, pour les visages et les corps, après la douche, c'est un régénérateur cellulaire, très bon pour le soleil, très bon pour régénérer la peau après les sports et après la douche. C'est comme une crème, c'est les mêmes gels d'aloe vera. Vas-y, fais-nous voir comment on l'utilise, Mimi. Sans conservateur chimique. Les gels extra strong, ça c'est les gels avec aloe vera, Ah, celui-là, on le connaît bien, celui-là. avec eucalyptus, avec menthol, pour l'effet froid très long, c'est bon pour les muscles, c'est bon pour les douleurs musculaires, les jambes, après les sports, mais aussi pour les douleurs musculaires, les dos, les problèmes articulaires. Nous, celui-ci, on l'utilise en fait quand on n'a pas, quand on est dans des endroits où il fait chaud, on n'a pas accès à la glace ou une rivière froide. Mais on aime bien après la course, hop, directement on se rince vite fait et on se met ce gel sur les jambes. Et ça fait vraiment frais. Donc lui, on aime vraiment, il est super efficace. Voilà. Eh ben, qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller d'autre vraiment en produits? Puisque je vois qu'il y en a, et je sais surtout qu'il y en a une quantité énorme. Qu'est-ce qui sort vraiment du lot pour, entre guillemets, monsieur tout le monde? Qu'est-ce que tu nous conseillerais? Pour moi, les gels purs, la plante, Ouais. l'extrait, pourquoi ça? C'est les mêmes extraits d'aloe vera avec la pulpe aussi, c'est 99,5% d'aloe, c'est la plante. Ouais. Ou les gels purs, pourquoi c'est pour tous, c'est universel. Ou les gels avec la rose musquée, ça aussi, si vous avez la peau sèche, vous pouvez utiliser les gels avec la rose musquée. Pourquoi contient 98% d'aloe vera, plus les autres ingrédients, la rose musquée, la calendula, la camomille, les calmants naturels, les anti-inflammatoires, comme hydratant pour tous les jours, ou pour les petites taches du soleil, pour calmer la peau aussi pour Ouais. rose. Ou
les gels extra strong, mais si vous voulez quelque chose avant et après les sports et fait chaud froid, les gels frio-calor. Les gels frio-calor contiennent de l'arnica, contiennent menthe piperite, contiennent sauge, contiennent rose damas, contiennent beaucoup des anti-inflammatoires pour l'effet chaud froid. Et ça, c'est bon aussi pour les jambes lourdes, les douleurs musculaires, c'est bon pour migraines cervicales. Quand on est dans l'avion, après, quand on revient de l'avion. C'est pas mal. Mais aussi, nous avons beaucoup de produits pour les visages, anti-âge naturel, si vous voulez quelque chose pour l'effet anti-âge naturel, pur, avec beaucoup d'aloe vera. L'aloe vera avec acide hyaluronique, seulement les deux pour les visages, les contours des yeux, c'est comme un sérum naturel. Parle-nous aussi de ton plus cher. Parce que quand même, celui-là, il est quand même assez génial. C'est lequel le plus cher des produits? Nous avons la crème pour gagner 10 ans. La crème avec du caviar et ça, ça veut dire quoi? On paraît plus vieux ou plus jeune? Si vous voulez quelque chose pour l'effet tenseur très vite, la crème avec le caviar, c'est la crème plus efficace pour l'effet tenseur. Pourquoi? L'or rampe les petites rides. Et ça, c'est une crème... Caviar et or. Très efficace. Et on a oublié de vous dire, il ne faut pas mettre les doigts directement dans le pot parce qu'il n'y a pas de conservateur, il n'y a avec rien. Avec le stick antibactérien. Voilà, voilà. Utilisez le stick parce que comme il y a... Et une fois ouvert, la crème aussi au frigo. Pourquoi okay. La première ingrédient dans les crèmes du visage aussi, c'est les gels de la plante. D'accord. Pas de parfum, pas de conservateur chimique. Bon, voilà. Mimi, le petit mot de la fin. Vive l'aloe vera. Vive l'aloe vera. Bon ben merci Benaria pour ton explication. Merci pour tout ton sourire et ton merveilleux accent italien. Et nous on repart. Vive la vie et on rentre à la maison. En vélo. Au revoir. Bisous, à bientôt.